Tant de souffrances, j'ai dû endurer. Toute cette violence qui m'a dévasté. J'ai longtemps espéré me venger. J'ai rêvé à mon tour te renverser. Je ne ferai jamais guérir. Ce moyen de m'en sortir, c'est oublier. Oublier tout le mal que tu m'as fait. Bonsoir, 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 ma sœur Marita. Que Dieu te bénisse. Ce moyen d'y arriver. Alléluia. Effacer les blessures de mon passé. Et de pardonner. Bonsoir maman Irène, bonsoir maman, bonne Blandine. Et Dieu bénisse. Alléluia, bonsoir maman Espérance, bonsoir maman Elisabeth. Se sentir trahi, anéanti. Alléluia. Avoir tant de peine. Maman Alpha, que Dieu te bénisse. Alléluia. J'ai construit une muraille autour de moi. Je me suis enfermé sans aucune part. Jusqu'à étouffer sa voix cachée. Ce moyen de m'en sortir sans oublier. Tout le mal que tu m'as fait, c'est moyen d'y arriver, c'est effacer les blessures de mon passé. Merci Seigneur. Voilà, bien-aimés. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons élever nos voix pour dire Seigneur merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Élevons nos voix, bien-aimés dans le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur pour la croix. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, bonsoir. Bonsoir, ma sœur Maria. Bonsoir, maman Bita. Que Dieu bénisse. Abondamment, soyez bénis. Voilà, nous allons élever nos voix pour dire Seigneur merci. Merci. Merci pour la croix. Élevons nos voix, bien-aimés, rendons grâce au Seigneur pour la croix. Nous élevons nos voix vers toi, tendre Père. Nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, nous t'exprimons toute notre reconnaissance pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix est une puissance pour tout celui qui croit. Merci, Maître du ciel et de la terre. Merci, merci pour la croix. Merci. Pour le sang versé à Golgotha, le sang qui crie mieux que celui d'Abel, les sangs de la victoire. Merci, Maître du ciel et de la terre, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta bienveillance.
Merci éternel et Dieu tout-puissant. L'œuvre de la croix est une puissance pour tous ceux qui croient. Nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci d'étendre ta main de grâce, de venir chaque détail, chaque aspect de nos vies. Nos yeux sont fixés sur toi, Maître du ciel et de la terre. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour ton plan merveilleux. Que l'honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Élevons nos voix, bénissons le Saint-Esprit. Bénissons le Saint-Esprit, demandons, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit prenne le contrôle, n'est-ce pas, de nos pensées. Alléluia. Élevons nos voix, n'est-ce pas, bien-aimés. Bénissons le Saint-Esprit, toi, l'Esprit des victoires, l'Esprit des grâces et des faveurs. Saint-Esprit, nous te bénissons. Cher Saint-Esprit, merci de prendre les contrôles de nos vies, les contrôles de nos pensées. Nous t'aimons, cher Saint-Esprit. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te louons, cher Saint-Esprit. Nous te glorifions. Toi, l'Esprit des grâces et des faveurs. Toi, l'Esprit de louange, d'adoration. Cher Saint-Esprit, inonde nos vies. Comble nos vies de ta vie. Merci, cher Saint-Esprit, de combler nos vies de ta vie. Merci, cher Saint-Esprit, de nous remplir de toi. Nous avons besoin de ta présence. Merci, cher Saint-Esprit. Quel honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi qui vis d'âge d'éternité en éternité. Nous te rendons toute la gloire et nous t'exprimons toute notre reconnaissance. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Quel honneur, la gloire, la majesté te reviennent. Alléluia. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, au nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Voilà, bénémoine de le Seigneur. Voulons ce soir particulièrement prier pour, n'est-ce pas, nous voulons renverser les forteresses dans nos pensées. Hein. Nous savons bien que notre lutte, n'est-ce pas, c'est une lutte qui est spirituelle. Notre combat est spirituel. Notre combat n'est pas charnel. Notre combat est spirituel, tel qu'il est écrit bien dans l'océan, dans la parole de Dieu, que nous, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons le raisonnement, ouais, nous renversons le raisonnement et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Donc, notre combat, nous sommes engagés dans un combat, mais ce combat n'est pas charnel. C'est un combat spirituel, c'est un combat invisible. Et les armes aussi avec lesquelles nous combattons ne sont pas visibles, ce sont des armes invisibles, ce sont des armes spirituelles. Voilà pourquoi Éphésiens, toujours l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voilà, bien aimé, la tactique du diable. Il utilise la ruse ou il utilise les ruses. Ce sont les armes qu'il utilise, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur, pour détruire l'homme. La technique reste la même. Elle ne change pas parce que ça marche toujours, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi il garde la même technique. Ça marche toujours. Il utilise toujours, bien aimé, la ruse. Et dans cette ruse, il utilise le camouflage. D'abord, il se cache. Il vient de manière à ne pas se faire connaître. De manière à ne pas se faire connaître. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, on ne sait pas voir que c'est lui, mais c'est lui. Donc, voilà pourquoi l'attaque, hein, l'attaque a été bénie dans le Seigneur au niveau, justement, des pensées. Parce que dans Genèse 3, le verset, on dit « Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. » Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. » Vous voyez, c'est au niveau de la pensée, il injecte le doute. Et après avoir injecté le doute va faire quoi, bien-aimé? Le doute cède la place à l'incrédulité. L'incrédulité cède la place, bien-aimé, à la désobéissance. La désobéissance, bien-aimé, cède la place à la mort. Et le verset 2, il dit clairement, bien-aimé dans le Seigneur, que la femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point.
Voilà un mensonge clair, bien-aimé dans l'océan. Un mensonge clair. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Vous voyez, n'est-ce pas? Il vient de manière d'abord à jeter les doutes. Hein, c'est vraiment un séducteur. La séduction, c'est le fait de mélanger le vrai et le faux, sachant que le vrai et le faux donnent le faux, ou le faux et le vrai donnent toujours le faux. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, il injecte les doutes. Il essaye de dire des choses un peu vraies, mais qui sont fausses. Alors, là, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, la technique, elle reste la même. C'est au niveau de pensée. En fait, le terrain des combats, bien-aimé, c'est au niveau de la pensée. Satan amène plein de trucs dans nos pensées, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là que nous devons combattre au niveau de la pensée. C'est le terrain des combats. Satan nous combat beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur, au niveau de nos pensées. C'est là que Satan nous combat, bien-aimé dans le Seigneur. Hein? Donc, l'homme, bien-aimé, nous sommes, il y a beaucoup de pensées en nous. Beaucoup de pensées. Et Satan profite, quand il y a beaucoup de pensées, bien-aimé dans le Seigneur, il en profite, n'est-ce pas, bien-aimé, pour injecter sa semence. N'est-ce pas, bien-aimé, dans la parabole du Seigneur, on dit dans Matthieu 13, lorsque, pendant la nuit, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient s'aimer, n'est-ce pas? Il vient s'aimer, bien-aimé dans le Seigneur, la livrer. C'est au niveau de la pensée. C'est là que la Bible nous dit, dans Genèse 6, le verset 5, que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre. Toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers les mains. Ouais, les pensées, bien-aimés, c'est chaque jour uniquement vers les mains. C'est ce que nous voyons aujourd'hui, bien-aimés. Les gens ne pensent qu'au mal. Toutes les pensées se tournaient, bien-aimés. Toutes les pensées, n'est-ce pas, les ont été, n'est-ce pas, là. Les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Jamais le bien, bien-aimé. Les gens, même derrière ce qu'ils disent que c'est le bien, il y a toujours, n'est-ce pas, bien-aimé, une idée du mal derrière. À cause de quoi, bien-aimé? La méchanceté, bien-aimé, dans le Seigneur. Et dans le monde dans lequel nous sommes actuellement, bien-aimé, il est devenu de plus en plus méchant. Les gens ne pensent qu'au mal. Bien-aimés, Proverbe 15, le verset 26 nous dit quoi? Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Avoir des pensées mauvaises, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a horreur de mauvaises pensées. Dieu a horreur de mauvaises pensées. C'est là que, bien-aimé dans le Seigneur, nous devons chaque jour demander au Seigneur, Seigneur, remplis-moi, n'est-ce pas, de ta parole, que ta parole remplisse mon âme. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le psaume 94, le verset 19 nous dit quoi? Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon cœur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ça, c'est trop fort. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez vous-même tel que vous êtes là, parfois il y a des pensées bizarres qui nous arrivent, n'est-ce pas? Tu restes, tu penses à des choses, il y a telles qui viennent, telles. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Quand tes pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, bien-aimés, en foule, tes consolations réjouissent mon âme. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là que nous devons lire la parole, méditer la parole, confesser la parole.
Quand nous voyons que de mauvaises pensées commencent à venir à nous, bien-aimés, invoquons la puissance du sang de Jésus-Christ. Bien-aimés, faisons très attention. Satan, c'est un rusé. C'est pourquoi il va absolument amener beaucoup de pensées à nous. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est lui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. C'est lui qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. C'est lui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. C'est lui qui se livre, n'est-ce pas, qui se mord les lèvres, a déjà consommé le mal. Faisons très attention, mesdames et messieurs, avec des pensées perverses. C'est pourquoi nous devons nourrir nos pensées, comme vous l'avez dit. Nous devons nourrir nos pensées par la parole. Nous devons nourrir nos pensées, bien-aimés, par ce que nous regardons. C'est pourquoi le monde dans lequel nous sommes, bien-aimés, on envahit le monde par des images perverses. On envahit le monde, bien-aimés, dans le Seigneur, par, alléluia, des paroles perverses. Dans les films, bien-aimés, il n'y a que des images perverses. Pourquoi, bien-aimés? C'est pour nous envahir, n'est-ce pas, bien-aimés, des foules de pensées. Afin que, mesdames et messieurs, lorsque nous essayons de penser, il n'y a que les mauvaises pensées qui viennent à l'esprit. C'est pas innocent, mais c'est pas innocent. C'est fait sciemment, bien-aimés. Dans n'importe quelle fille, il y a toujours des bizarres, n'est-ce pas, des images bizarres. Bien-aimés, c'est parce qu'on cultive en nous le mal dans nos pensées. On prépare nos pensées à se tourner uniquement vers le mal. C'est là que j'ai toujours dit, vous regardez une série, je ne sais pas quel type de série de film où les gens sont infidèles. On prépare vos pensées au mal. Bien-aimés, on prépare vos pensées au mal. Les jeunes réalisent, vous ne pouvez pas vous imaginer la subtilité du diable. Il peut semer les négatifs sans que vous le sachiez. Regardez bien. Il a semé les doutes. Dieu a-t-il réellement dit? Il n'a rien dit. C'est au niveau de la pensée. C'est au niveau de la pensée. Nous devons y travailler, bien-aimés dans l'océan, tous les jours de notre vie. Travaillons nos pensées. J'aime bien, c'est le psaume 94, le verset 10. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Oui, tes consolations réjouissent mon âme. Ça, cette version ici, cette parole, elle est forte, bien-aimés dans le Seigneur. Elle est forte. J'aime beaucoup ça. Bien-aimés, j'aime beaucoup. Quand tes pensées, n'est-ce pas, s'agitent en foule au-dedans de moi, bien-aimés, tes consolations réjouissent mon âme. Il dit bien, tes consolations réjouissent mon âme. Bien-aimés, parfois, il y a des pensées qui arrivent en nous, bien-aimés. Des pensées bizarres, des pensées sales, des pensées de suicide, des pensées de découragement, des pensées, bien-aimés, dans le Seigneur, d'abandon, bien-aimés. Des pensées négatives. Ah oui, on est humain. Hein? Que faire, bien-aimés, dans le Seigneur? Hein? Quand j'ai la tête pleine de soucis, n'est-ce pas, dit, tu m'encourages et mon cœur est toujours joyeux. Bien-aimés, nous devons puiser l'encouragement dans la parole de Dieu. Nous devons puiser la joie dans la parole de Dieu, bien-aimés, dans le Seigneur. Que de nous laisser envahir par des soucis, nous laisser envahir, bien-aimés, par les pensées, n'est-ce pas, bizarres. Non, bien-aimés, ne nous laissons pas envahir, bien-aimés, dans le Seigneur, par des pensées bizarres. Non. La parole de Dieu. Satan, il est celui qui vient s'aimer, bien-aimé. Pendant qu'on dort, il vient s'aimer dans nos pensées. Il vient s'aimer quelque chose de mauvais. Il vient s'aimer, n'est-ce pas, la trahison. Il vient s'aimer, n'est-ce pas, bien-aimé, le Seigneur, je ne sais pas, les découragements. Bien-aimé, il vient s'aimer. Autour de certaines situations, il érige des barrières. Des forteresses qu'on a du mal à renverser. On croit que c'est comme ça, ça ne changera pas, c'est comme ça. Oh ben ça n'ira pas, de toute façon moi je sais que ça n'ira pas parce que le spécialiste a déjà dit. Les pensées restent figées parce que le médecin a dit. Ça, il y a des forteresses dans nos pensées. Des forteresses dues à la culture.
Des forteresses du bien-être, des forteresses du bien-être au Seigneur à la culture, des forteresses du bien-être au Seigneur à la tribu. Et nous devons renverser ces forteresses dans nos pensées qui nous empêcheraient, bien-être dans le Seigneur, de pouvoir évoluer. Parce que la parole, n'est-ce pas, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons renverser toutes ces pensées négatives. Que le sang de Jésus nous lave, n'est-ce pas, des pensées impures. Des pensées qui nous empêchent, bien-aimés dans le Seigneur, d'être encouragés par la parole de Dieu. Des pensées, bien-aimés, qui viennent étouffer, n'est-ce pas, bien-aimés, la parole ne s'est pas donnée, n'est-ce pas, ne s'est pas produit du fruit. Des pensées, bien-aimés, qui étouffent la parole. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 13, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Les soucis de la vie. La sœur, n'est-ce pas, bien-aimés dans le Seigneur. Les soucis de la vie viennent étouffer la parole. L'ennemi qui fait cela, bien-aimés dans le Seigneur, c'est Satan, le diable. Il vient faire quoi? La parole du royaume, n'est-ce pas, bien-aimé? Il dit, un homme écoute la parole du royaume, ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pires, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il s'y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Bien-aimé dans le Seigneur, oui. L'autre parabole, pendant que les gens dormaient, l'ennemi vient, il s'est mal livré parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe est poussée et donnée du fruit, livré parut aussi, bien-aimé. Livré, bien-aimé, c'est cette mauvaise pensée que l'ennemi peut semer à nous. La pensée de trahison, bien-aimé, dans le Seigneur. La pensée de suicide, bien-aimé. Nous devons refuser, bien-aimé, dans le Seigneur, certaines pensées qui nous viennent. C'est comme ça que les gens ont tué leurs époux. Dans le sommeil, on a été trahi par son mari, et puis la pensée lui dit, un jour je vais les tuer, va voir. Ben on tue. Dans le sommeil, on en poignarde. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Quand certaines pensées vous viennent à l'esprit, bien-aimé, priez, dit Seigneur, enlève ça de moi. Arrière de moi, Satan. Seigneur, enlève ça de moi. Pas cette pensée, Seigneur. Priez, dit Seigneur, non, je refuse cette pensée. C'est comme ça Satan vient s'aimer. Il vient s'aimer pendant la distraction. On a prié contre l'esprit de distraction, n'est-ce pas, bien-aimé? L'ennemi vient s'aimer pendant les temps de distraction. Il vient s'aimer la mauvaise pensée. Bien-aimé, réveillons-nous. Nous allons élever nos voix. Priez, n'est-ce pas? Tu vas dire, Seigneur. Oh Seigneur, pardonne-moi. S'il y a des pensées à moi, des pensées impures, des pensées sales, des pensées qui ne te glorifient pas, Seigneur, sanctifie mon cœur, Seigneur, s'il te plaît. Purifie mon cœur, purifie mes pensées, purifie mon âme, purifie mon être tout entier, Seigneur. Lave-moi, Seigneur, de toutes les mauvaises pensées. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Que Dieu nous lave, n'est-ce pas? Que Dieu nous purifie, n'est-ce pas, de toutes ces pensées mauvaises. Oh Seigneur, enlève, Seigneur, notre Dieu. Enlève, Seigneur, toutes ces pensées mauvaises. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Oh Maître du ciel et de la terre. Bien-aimé, si on commence à prier, n'est-ce pas, dit Seigneur, oh bien-aimé, commence à prier pour dire, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Oh Seigneur, merci, Seigneur. Oh Seigneur, tu connais mon cœur, tu connais mon cœur, tu connais mon cœur. Seigneur, tu connais mon cœur, Seigneur, tu connais mon cœur. Bien-aimé, il connaît nos cœurs, il connaît nos cœurs. Dis-lui, Seigneur,
Enlève, Seigneur, pardonne. Oh, notre Seigneur, très Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Seigneur, merci de pardonner. Merci de pardonner, Seigneur. Oh, Seigneur, pardonne nos cœurs. Nous implorons ton pardon et ta miséricorde. Seigneur, des pensées impures, des pensées sales qui viennent nous suivre, éternel, notre Dieu. Viens laver, purifier nos cœurs. Au nom puissant de Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci de nous laver, de nous purifier. Au nom puissant de Jésus, notre Seigneur, notre Dieu, enlève-nous, Seigneur, notre Dieu, alléluia. Lave-nous, Seigneur. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, des consolations réjouissent mon âme. Oui, Seigneur, notre Dieu, quand les soucis là, alléluia, remplisse, n'est-ce pas, mon âme, remplisse mes pensées, Seigneur. C'est sur ta parole que je m'appuie, au nom puissant de Jésus, maître du ciel et de la terre, puissant de Jacob, grand roi de l'univers. Seigneur, sanctifie, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Tu es le grand roi, tu es celui qui vit d'agara d'éternité en éternité, puissant de Jacob. Seigneur, lave et sanctifie, éternel et Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce. Merci, éternel, notre Dieu. Merci. Merci de nous laver, de nous purifier. Pour le puissant de Jésus, nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire. Au nom puissant de Jésus, nous te bénissons. Nous te louons, nous te célébrons, nous puissants de Jésus, notre Seigneur, notre Dieu. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour, merci pour ta faveur, merci grand roi de l'univers, au nom puissant de Jésus, éternel notre Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons et nous te glorifions, nous puissants de Jésus. Alléluia. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers. Nous te célébrons et nous te glorifions au nom puissant de Jésus. Merci, éternel et Dieu Tout-Puissant. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te glorifions. Nous te magnifions au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce, pour ta faveur, pour ton amour et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Maître du ciel et de la terre, nous t'élevons à la plus haute place et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Puissant de Jacob, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci de la faire de purifier au puissant de Jésus, sanctifie et purifie nos cœurs, nous avons besoin de toi, Dieu Tout-Puissant, merci, merci grand roi de l'univers, nous te bénissons éternel, notre Dieu, Seigneur, merci, tu connais nos craintes, nous connaissons grand roi de l'univers, ce que sont nos cœurs, et au tendre Père, il nous de nos vies, de ta présence. Nous avons besoin de ta présence, ô nom puissant. Toi qui entends les battements de nos cœurs. Seigneur, aie pitié, Seigneur. Ô maître du ciel et de la terre. Aie pitié, éternel et Dieu Tout-Puissant. Nous te bénissons. Nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions, Seigneur, ô maître du ciel et de la terre. Nous t'exprimons toute notre reconnaissance et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus, grand roi de l'univers, toi qui es assis sur les trônes de terrain, toi qui es assis sur les trônes de gloire, nous bénissons ton saint nom, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta grâce. Merci, grand roi de l'univers. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci. Merci, grand roi de l'univers. Alléluia. Merci, c'est bien aimé dans le ciel. Nous allons élever nos voix, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu n'est-ce pas bien aimé. Alléluia. Que n'est-ce pas bien aimé. Que Dieu n'est-ce pas nous. Alléluia. Enlève les sûrs, n'est-ce pas. Que Dieu enlève, n'est-ce pas bien aimé. Tout ce qui a l'impureté, n'est-ce pas, dans nos pensées. Alléluia, bien aimé. Que Dieu nous purifie, n'est-ce pas, des pensées impures. Bien aimé, que Dieu enlève le sûr, n'est-ce pas, de nos pensées.
Alléluia, bien-aimé, que le sang de Jésus, n'est-ce pas, nous purifie, n'est-ce pas, de toutes les pensées impures, de suivre au nom puissant de Jésus. Alléluia, élève le voir, n'est-ce pas, commence à prier, n'est-ce pas, que Dieu te purifie, n'est-ce pas, alléluia. Seigneur notre Dieu, merci de purifier, Seigneur notre Dieu, de nos pensées, mais de nous purifier, Seigneur notre Dieu, des pensées impures, des suivre, éternel, notre Dieu, purifie et sanctifie nos cœurs. Nous te bénissons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions, toi qui es notre Seigneur et notre Dieu, toi qui es notre grand roi. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom. Nous t'élevons à la plus haute place, au nom puissant de Jésus. Merci pour la vie de Dieu, Zoé. Merci pour ta grâce, éternel et Dieu Tout-Puissant. Nous t'élevons à la plus haute place. Nous te louons, éternel et Dieu Tout-Puissant. Nous te glorifions, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, grand roi de l'univers. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta bonté. Merci, Seigneur, pour ta bienveillance. Nous célébrons la grandeur de ton Saint-Nom, Maître du ciel et de la terre, toi qui es assis sur le trône éternel, toi qui es assis sur le trône de gloire, nous te bénissons, nous t'élevons à la plus haute place, nous sanctifions ton nom, au nom puissant de Jésus, puissant de Jacob. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta grandeur, au nom de Jésus, sanctifie Seigneur, sanctifie éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus, nos cœurs Seigneur, que le sang versé à la croix sanctifie et purifie nos cœurs, au nom puissant de Jésus Christ, alléluia. Tendre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nos puissants de Jésus Christ, alléluia. Éternel, notre Dieu, nous te serons infiniment reconnaissants. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bienvenue dans le Seigneur, alléluia. Que Dieu, n'est-ce pas, délivre, n'est-ce pas, bienvenue, alléluia. Délivre, n'est-ce pas, délivre nos pensées, alléluia, de tout ce qui ne les glorifie pas. Tu vois, pour le Seigneur, délivre mon esprit, délivre mon âme des pensées impures, Seigneur. Délivre-moi des pensées impures, délivre mon cœur, délivre mon âme des pensées impures, Seigneur, alléluia. Alléluia, bienvenue dans le Seigneur. Commence à prier, n'est-ce pas? Commence à dire, Seigneur, délivre-moi des pensées impures. Délivre mon esprit, Seigneur. Délivre mon âme, bien-aimé. Élevons-nous, n'est-ce pas, bien-aimé? Prions, n'est-ce pas, que le Seigneur, alléluia, que le Saint-Esprit vienne nous délivrer. L'Esprit de grâce, bien-aimé. Élevons-nous, n'est-ce pas, que le Saint-Esprit nous délivre. L'Esprit de grâce et des faveurs. L'Esprit de louange, d'adoration. Saint-Esprit, délivre-nous. Délivre-nous des pensées impures. Nous te bénissons, cher Saint-Esprit. Nous te louons. Toi, l'esprit de victoire, toi, l'esprit de grâce et de faveur, au nom puissant de Jésus, Saint-Esprit, merci, merci, Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit, merci de nous laver, de nous purifier des pensées impures. Alors, délivre-nous, cher Saint-Esprit, délivre-nous des pensées impures, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, nous te bénissons, nous te louons, nous te glorifions, nous te magnifions, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, éternel notre Dieu, nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Bienvenue dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas, bienvenue, tu vas renverser les forteresses dans les pensées. Je viens renverser toutes les forteresses de la culture, les forteresses de la tribu, les forteresses de la race. Bien-aimé, tu vas renverser les forteresses dans tes pensées, les forteresses de la culture, les forteresses de la race, les forteresses, bien-aimé, dans le Seigneur du sexe, les forteresses, bien-aimé, dans le Seigneur de la religion. Tu vas renverser les forteresses, bien-aimé, dans le Seigneur dans tes pensées. Dieu, les forteresses dues à la race, les forteresses du bien-aimé dans le Seigneur, au rang social, les forteresses bien-aimé dans le Seigneur dues, n'est-ce pas, à la tribu, les forteresses bien-aimé dans le Seigneur dues, je ne sais pas, au sexe, mais tu vas renverser les forteresses bien-aimé dans tes pensées. Quelles sont ces forteresses? C'est-à-dire que non, ça, moi, je ne peux pas parce que il paraît que les femmes ne peuvent pas faire ça. Il paraît que. Qui a dit cela? Non, tu ne sais pas celui qui a dit cela. Parce que c'est la société, n'est-ce pas, dit ça. Nous allons renverser les forteresses érigées dans nos pensées. Dû à la culture. Dû à la profession. Dû au rang social. Oh, comment je suis de ces rangs sociaux-là? Je ne peux pas. Des forteresses. Dieu à la tribu. Oh, moi, je ne peux pas épouser telle tribu.
C'est comme ça dans notre famille, c'est comme ça dans notre tribu. Qui vous a dit ça, bien-aimé? Qui vous a dit ça? Nous allons renverser, bien-aimé, les forteresses, n'est-ce pas, bien-aimé, dans nos pensées. Proclamons trois fois, n'est-ce pas, Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix avec toi. Nous proclamons ta victoire. Je viens renverser les forteresses, grand roi de l'univers. Les forteresses dans des pensées. Au nom puissant de Jésus, je renverse les forteresses dans les pensées. Les forteresses dues à la culture. Les forteresses dues à la tribu. Je renverse les forteresses dans moi. Les forteresses se disent, notre Dieu, alléluia, à la profession. Je renverse les forteresses dues à la religion, je renverse les forteresses au nom puissant de Jésus, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur, maître du ciel et de la terre, je proclame ta victoire, ton règne et ton autorité, les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, je renverse les forteresses au nom puissant de Jésus, éternel Dieu tout-puissant, que tu t'élèves dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai renversé toutes ces forteresses, grand roi de l'univers, et je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, je proclame la victoire du sang de la nouvelle alliance, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci, merci pour ta victoire, j'ai renversé toutes ces forteresses, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel Dieu tout-puissant, merci pour ta victoire, merci pour ton règne, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci, j'ai renversé les forteresses, éternel notre Dieu, alléluia, dû à l'âge, dû au sexe, j'ai renversé les forteresses du Seigneur notre Dieu, à la culture, j'ai renversé les forteresses dues à la religion, j'ai renversé toutes ces forteresses, au nom puissant de Jésus-Christ, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, dans la vie de mon frère, dans l'église, Seigneur notre Dieu, nous renversons les forteresses dues à la tribu, nous renversons les forteresses dues à la race, au nom puissant de Jésus, je viens démolir toutes ces forteresses, je proclame la victoire de l'œuvre de la croix, je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci pour ta victoire, merci éternel notre Dieu, merci pour ta grâce, merci Seigneur notre Dieu pour ta grandeur, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants, au nom puissant de Jésus-Christ, alléluia, tendre Père, merci, merci grand roi de l'univers, bienvenue dans le Seigneur. Nous allons prier, n'est-ce pas, bien-aimé? Tu vas te lever, n'est-ce pas, contre les troubles, contre les troubles, contre l'agitation, n'est-ce pas, dans tes pensées. Tu vas dire, je me laisse contre toute forme de troubles, toute forme d'agitation, toute forme de confusion dans mes pensées, bien-aimé. Alléluia. Tu vas renverser, tu vas briser l'agitation, la confusion, n'est-ce pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Tu vas briser les troubles dans tes pensées. Les troubles, la confusion et l'agitation. Je dis bien, les troubles, la confusion et l'agitation. Que l'agitation de toute forme soit neutralisée dans tes pensées. Que la confusion soit brisée, bien-aimé. Que les troubles soient neutralisés dans tes pensées. Alors, proclamons trois fois, n'est-ce pas, bien-aimé? Le feu du Saint-Esprit, un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous invoquons le feu de vos rangs. Notre Seigneur, notre Dieu. Nous invoquons le feu de Dieu. Le feu du Saint-Esprit pour, Seigneur, consumer les troubles. Je consume les troubles dans mes pensées. Les troubles, je consume la confusion dans mes pensées. Au nom puissant de Jésus, je viens détruire notre de toute forme de confusion. Je viens briser les troubles. Au nom de Jésus, je viens briser, tendre Père, les troubles, la confusion, c'est notre Dieu. Je viens briser, grand roi de l'univers, toute forme, alléluia, de confusion, toute forme de troubles, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci, que la confusion soit neutralisée, que les troubles, c'est notre Dieu, soient neutralisés dans la pensée, au nom de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix, éternel notre Dieu, merci, merci grand roi de l'univers, que toute forme de troubles, toute forme de confusion, c'est notre Dieu, alléluia, dans la pensée, soit neutralisée, soit renversée, au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu tout-puissant, merci, merci pour ta grâce, merci grand roi de l'univers, merci pour ton amour, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, alléluia, oroboya karabayandaba, alléluia, merci Seigneur, bienvenue dans le Seigneur, nous allons prier, bienvenue dans le Seigneur, nous allons maintenant
déraciner, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Toute forme, n'est-ce pas, bien aimé, des pensées qui a commencé, n'est-ce pas, bien aimé, à prendre, n'est-ce pas, bien aimé, la fondation, n'est-ce pas, bien aimé, alléluia, dans notre pensée. C'est comme, n'est-ce pas, ce qui a été semé. Toute pensée contraire à la volonté de Dieu qui a été semée dans mes pensées soit déracinée maintenant au nom de Jésus. Tu vas renverser, bien aimé dans le Seigneur, le fondement de toute pensée contraire à la volonté de Dieu. Alléluia. Tu vas dire, c'est notre Dieu. Je renverse toute pensée contraire à la volonté de Dieu en moi. Au nom de Jésus-Christ, je déracine toute pensée contraire à la volonté de Dieu. Alléluia, bien aimé dans le Seigneur. Nous allons renverser, bien aimé dans le Seigneur, toutes les pensées contraires à la volonté de Dieu en nous. Les pensées qui ont été semées par l'ennemi, bien aimé dans le Seigneur, qui sont, tu ne sais pas, mais les pensées ont été semées au moment opportun, n'est-ce pas, Satan veut les utiliser. Bien aimé, toutes les pensées qui ont été semées par le diable à ton insu, bien aimé dans le Seigneur, dans ta pensée. Parfois, c'est des choses que tu as regardées innocemment sans savoir, mais Satan va puiser cela pour te pousser à faire cela. Tu as vu, n'est-ce pas, bien aimé, comment une femme a vengé un homme dans un film. Et puis, c'est passé d'être un film. Et puis, un jour, n'est-ce pas, bien aimé dans le Seigneur, on te fait, n'est-ce pas, la même chose par ton mari. Cette pensée vient. Parce que tu avais vu ça dans un film. Hein. Ah, je vais lui faire ça. Je vais lui faire ça. Il va voir. Mais tu ne te rends pas compte que non, c'était semé en toi. Toi, tu crois que non, c'est l'astuce que tu viens de trouver, n'est-ce pas, pour le faire. Tu as déjà même oublié que tu as vu ça dans un film. Peut-être c'est après, n'est-ce pas. Oh, c'est que je viens de faire, mais oh là là. C'est pas dans. C'est après. Bien aimé, l'ennemi, c'est un malin. C'est un malin, c'est un rusé. Maintenant, tu vas dire, c'est notre Dieu, que toute pensée impure qui a été semée en moi, dans mon âme, dans mon cœur, n'est-ce pas, dans mon esprit, que toute pensée impure qui a été semée soit déracinée, consumée par le feu du Saint-Esprit. Proclamons trois fois le feu du Saint-Esprit. Un, deux, trois. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Tendre Père, nous élevons nos voix. Nous invoquons le feu de votre éternel, notre Dieu. Que le feu de Dieu consume éternel, notre Dieu. Consume tout, Seigneur, notre Dieu. Les semences impures, les pensées impures qui avaient été semées par l'ennemi à nous, dans notre esprit, dans notre âme, dans notre pensée. Tendre Père, que toutes ces pensées impures, alléluia, soient déracinées maintenant au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci, merci grand roi de l'univers, merci pour ton amour, merci éternel notre Dieu, pour ta victoire, au nom puissant de Jésus-Christ, éternel notre Dieu, merci, que l'honneur, la gloire, la majesté reviennent à toi les grands rois. Tendre Père, je viens déraciner, je déracine, grand roi de l'univers, toutes les pensées impures, je viens les déraciner au nom puissant de Jésus, les pensées impures, je les déracine au nom de Jésus-Christ, je déracine, tendre Père, les idées fausses qui avaient été semées en moi, qui avaient été semées dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma sœur, les idées fausses qui avaient été semées dans son âme, dans mon âme, que ces idées soient renversées, soient déracinées au nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine toutes les idées fausses éternelles, notre Dieu. Je les déracine, je les déracine, je les déracine au nom puissant de Jésus. Éternel, notre Dieu, merci pour ta victoire. Que les idées fausses soient déracinées. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous te bénissons, nos puissants de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel, notre Dieu, merci. Merci, grand roi de l'univers. Alléluia, tendre Père, merci. Bienvenue dans le Seigneur, tu vas maintenant briser, n'est-ce pas, bien-aimé, toute pensée diabolique incontrôlable. Alléluia, tu vas dire, toute pensée diabolique incontrôlable, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé, dans ta vie, n'est-ce pas, sois neutralisé. Alléluia. Tu vas dire, je brise toute pensée diabolique incontrôlable dans ma vie, dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées. Que toute pensée diabolique incontrôlable soit neutralisée au nom puissant. Mais Satan peut semer une pensée. Ça reste en toi, mais n'est-ce pas? Tu n'attends que le moment opportun pour mettre en application cette pensée-là. C'est une pensée qui était là. Faire du mal à quelqu'un, te venger vis-à-vis de quelqu'un. C'est une pensée qui est assise, n'est-ce pas, le Seigneur? Nous allons prépondre notre Dieu que toute pensée diabolique incontrôlable. C'est comme ça que, bien aimé, les femmes ont tué leur mari dans les sommeils. C'est comme ça les hommes se sont en s'évangant, n'est-ce pas, ont tué leurs épouses. Parce que c'est une pensée qui est venue, qui s'est assise. Une pensée incontrôlable.
On a tué parfois une femme qui a tué son fils, ou un frère qui a tué, n'est-ce pas, mes amis, rappelez-vous, n'est-ce pas, le premier fratricide. Caïn a tué son frère Abel. Dieu lui a dit, attention, le péché se couche à ta porte, fais attention. Vous voyez, n'est-ce pas? Mais nous allons briser toute pensée diabolique incontrôlable en moi, dans ma vie, soit brisée, soit neutralisée. C'est ces pensées, mes amis, qui amènent parfois, mes amis, certains hommes, n'est-ce pas, à être infidèles envers leurs épouses, certaines femmes à être infidèles devant leurs époux, certains, bien-aimés dans le Seigneur, certains enfants, mes amis, à pouvoir trahir leurs parents. Dans certaines pensées incontrôlables, diaboliques. Parfois, Satan utilise les gens, il tue les faits, et puis, par exemple, il dit, mais qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire? Mais trop tard, c'est déjà fait. L'acte est déjà posé. Et puis, vous voyez la personne regretter amèrement, la personne souffrir à cause de l'acte qu'il a posé, mais ne comprend pas comment il est arrivé à le faire. Comment? C'est pas possible. Il dit, parce que je ne sais pas. Qu'est-ce qui m'a poussé, n'est-ce pas, à frapper cet enfant? Je ne comprends pas. Mais regarde, aujourd'hui, l'enfant est resté avec un handicap dans son bras. Je ne sais pas expliquer. Je ne sais pas expliquer qu'est-ce qui m'a pris. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé? Une pensée parfois diabolique et incontrôlable peut arriver. Pousser quelqu'un, n'est-ce pas, à faire des choses pour le regretter après. Tu vois, pour vous dire, c'est notre idée que toute pensée diabolique incontrôlable dans ma vie, dans mon esprit, même dans ma famille, je brise toute pensée diabolique incontrôlable. Nous allons proclamer trois fois Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Éternel, notre Dieu, nous élevons nos voix vers toi. Et nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous nous dressons contre toute pensée diabolique incontrôlable dans nos vies, tendre Père, dans notre esprit, dans nos pensées. Que les pensées diaboliques incontrôlables soient neutralisées au nom puissant de Jésus. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Que toute pensée diabolique incontrôlable soit neutralisée, soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ton œuvre à la croix. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Au nom puissant de Jésus, je viens briser toute pensée diabolique incontrôlable. Je proclame la victoire de l'œuvre de la croix. Je proclame la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Les dieux de victoire, les dieux de grâce, les dieux de faveur. Que toute pensée diabolique incontrôlable soit neutralisée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, notre Dieu, merci. Alléluia. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te louons, Éternel, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel, notre Dieu, glorifie ton nom et manifeste ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. C'est notre Dieu. Merci. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier, n'est-ce pas? Tu vas briser, n'est-ce pas, toutes les mauvaises, les fausses imaginations. Parfois, des imaginations qui viennent, tu ne comprends pas pourquoi tu... Il y a des imaginations. Bien-aimé, tu vas dire, je me lève contre toutes les fausses imaginations dans mes pensées. Mais nous allons nous lever contre les fausses imaginations, les mauvaises imaginations dans nos pensées. Tu imagines des images qui sont fausses, bien-aimé, dans le Seigneur. Ça amène les gens, bien-aimé, à commettre des erreurs. Des imaginations, bien-aimé, qui viennent peut-être de la chair. Bien-aimé, tu vas te lever, tu vas dire, je me dresse contre les mauvaises imaginations, les imaginations fausses. Les imaginations impures, je me dresse contre les mauvaises imaginations, les fausses imaginations, je me dresse contre ces mauvaises imaginations, au puissant de Jésus. Alors, proclamons trois fois, n'est-ce pas, le sang de Jésus, que Dieu nous purifie de ces mauvaises imaginations. Les proclamons trois fois le sang de Jésus. Un, deux, trois. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Nous nous dressons contre ce notre Dieu. Les fausses imaginations. Les mauvaises imaginations. Nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Au nom puissant de Jésus. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons. Nous te louons. Nous te glorifions. Au nom puissant de Jésus Christ. Éternel, notre Dieu, merci. Merci pour ta victoire. Je me dresse contre les fausses imaginations, les imaginations mauvaises. Je les brise, je les déclare sans effet nul et non avenu. Au nom puissant de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, merci. Merci, grand roi de l'univers. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Nous allons prier, n'est-ce pas? Vous savez quoi, n'est-ce pas, bien-aimé? La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Avec tel il est, tel nous sommes. Tel il est, tel sont ses pensées, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier
C'est pourquoi il faut faire attention. Lorsque tu sors, tu es en train de sortir, tu te dis que je risque de faire un accident. C'est comme ça que Satan, bien-aimé, injectait ce genre de pensées. Bien-aimé, tu vas dire, c'est notre Dieu, je brise les pensées négatives. Oh, je vais tomber malade. Je sens que je vais tomber malade. Oh, je sens quelque chose qui va m'arriver. Bien-aimé, tu vas t'élever contre les pensées négatives. Tu vas dire, Seigneur notre Dieu, que les pensées négatives soient englouties par les pensées positives. Bien-aimé, tu vas prier ce soir pour dire que toutes les pensées négatives qui me viennent à l'esprit soient englouties par les pensées positives au nom puissant. Regardez bien, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez bien, c'est le psaume là. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand les pensées s'agitent en foule, bien-aimé, et parfois c'est des pensées négatives. Tu vas dire, c'est notre Dieu, que les pensées négatives qui viennent soient englouties par les pensées positives. Je rejette toutes les pensées négatives à mon nom puissant de Jésus. Bien-aimé, refuse quand il y a une pensée négative qui vient en toi. Refuse. Tu vas déclarer pour lui, c'est notre Dieu. Alléluia. Tu connais les projets, n'est-ce pas, que tu as formés sur moi. Projet de bonheur et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance, bien-aimé. Que les projets de Dieu s'accomplissent dans ta vie et non les projets du diable. Les projets du diable, ce sont les projets de destruction. Tu vas prier ce soir pour dire que toutes les pensées négatives soient englouties par les pensées positives au nom de Jésus-Christ. Je détruis les pensées négatives qui viennent en foule au-dedans de moi. Je les brise, je les déclare sans effet. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Que les projets de Dieu s'accomplissent dans ma vie, dans ma famille, au nom puissant de Jésus. Nous allons proclamer trois fois Jésus est vainqueur. Un, deux, trois. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous proclamons ta victoire éternelle, Dieu Tout-Puissant. Nous nous levons contre les pensées négatives. C'est notre Dieu dans la vie de ma sœur, dans la vie de mon frère. J'ai brisé toutes les pensées négatives. Au nom puissant de Jésus, les pensées négatives qui viennent en foule dans le cœur de mon frère, dans l'esprit de mon frère. Que ces pensées soient neutralisées. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de l'œuvre de la croix. Nous proclamons la victoire du sang qui a été versé à Golgotha. Que les pensées négatives soient neutralisées au nom puissant de Jésus. Que les pensées négatives soient neutralisées, tendre Père. Notre Seigneur, notre Dieu, lève-toi. Que les pensées négatives soient englouties par les pensées positives au nom puissant de Jésus-Christ. Tendre Père, que ton programme s'accomplisse dans la vie de ma sœur. Parce que, Seigneur, notre Dieu, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de bonheur et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tendre Père, nous croyons en ta promesse, nous croyons en ton plan pour nos vies, au puissant de Jésus. Que ton programme s'accomplisse dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus. Nous te couronnons, roi éternel, Dieu Tout-Puissant. Lève-toi dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci. Merci pour ta victoire, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tendre Père, merci. Au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci, grand roi de l'univers. Bien-aimé, n'est-ce pas, tu vas dire, c'est notre Dieu, maintenant tu vas proclamer les pensées de vie. Alléluia, tu vas dire, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'éternel. Tu vas dire, c'est notre Dieu, je proclame la vie, je proclame la vie, je proclame la vie, je refuse la mort, n'est-ce pas, dans tout le programme, dans tout le programme de ma vie. Bien-aimé, proclame la vie, refuse les pensées de mort. Alléluia. Refuse les pensées de mort. Proclame la vie, ce soir du Seigneur. Je refuse les pensées de mort. Que ce soit la mort spirituelle, la mort physique, la mort bénie dans le Seigneur, la mort, je ne sais pas, sur le plan financier, sur le plan matériel. Refuse la mort. Proclame la vie de Dieu, Zoé. Refuse les pensées de mort. Proclame la vie de Dieu. Alléluia. Élève la voix de soi-même. Commence à prier de soi-même. Alléluia. Bénie dans le Seigneur. Alléluia. Que la vie engloutisse la mort. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi. Nous refusons les pensées de mort. Nous refusons même les imaginations, c'est notre Dieu. Alléluia. Nous refusons la mort. Nous proclamons la vie. Que la vie engloutisse la mort. Que la vie engloutisse la mort. Que la vie puisse engloutir la mort. Au nom puissant de Jésus. Nous proclamons la vie de Dieu, au éternel, notre Dieu. Seigneur, nous refusons la mort. Nous brisons la puissance de la mort. Nous proclamons la vie. Nous brisons la puissance de la mort. Nous proclamons la vie. Nous confessons que Jésus-Christ est roi. Jésus-Christ est Seigneur, la gloire de Dieu, le Père, le Dieu de victoire, le Dieu de grâce, le Dieu de faveur, que tu t'élèves dans nos vies, dans nos familles, au nom puissant de Jésus-Christ, le Dieu de la vie, le Dieu de la vie. Voilà pourquoi nous proclamons la vie au nom puissant de Jésus.
Allez, l'Éternel, notre Dieu, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour et pour ta fidélité au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tendre Père, merci. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité au nom de Jésus. Alléluia. Bienvenue dans le Seigneur. Nous allons, n'est-ce pas? On va continuer. Hein? Encore, on va pour renverser les forteresses. La deuxième série viendra prochainement. Nous n'allons pas laisser comme ça. Mais ça détruit beaucoup de vies. Alléluia. Donc, nous allons nous arrêter pour ce soir. Nous allons d'abord prier, bien-aimés, pour ceux qui sont là. Nous allons bien-aimés prier pour Maman Fifi. Nous allons bien-aimés prier pour Papa Didier. Et nous allons bien-aimés prier, n'est-ce pas, pour Maman Albertine. N'est-ce pas, que Dieu le touche dans leur être tout entier. Élevons nos voix, n'est-ce pas, prions. Tendre Père, nous élevons nos voix vers toi, nous proclamons ta victoire, notre dedans. Alléluia pour Maman Fifi que nous transportons devant ton trône de la grâce. Merci de la toucher de la tête jusqu'au pied, au nom puissant de Jésus. Tendre Père, merci de toucher Maman Fifi dans son être, au nom puissant de Jésus. Merci Dieu Tout-Puissant de toucher Maman Fifi. De toucher Maman Fifi dans son être, de toucher Éternel notre Dieu. Alléluia, Papa Didier, merci de le toucher, de le fortifier, au nom puissant de Jésus. Les dieux de l'impossible, les dieux de gloire, les dieux de faveur. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Éternel Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Au nom puissant de Jésus, les dieux de l'impossible, les dieux de miséricorde, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous proclamons ta victoire, ton règne et ton autorité. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Donc, merci de toucher Maman Albertine, Maman Sénat Albertine Kondo, mais de toucher Maman Fifi, de toucher Papa Didier, au nom puissant de Jésus, nous proclamons ta victoire. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. On commence à venir le Saint-Esprit, l'Esprit de grâce et des faveurs. Saint-Esprit, nous te bénissons. Toi, l'Esprit de grâce, Éternel, notre Dieu. Saint-Esprit, nous te bénissons. Au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci Saint-Esprit. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta victoire dans nos vies. Saint-Esprit, remplis nos vies de ta vie, au nom puissant de Jésus. Nous proclamons ton règne et ton autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, cher Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Saint-Esprit. Amen, 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 amen. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse l'heure sur vous, sa face qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, maman, pasteur Lucie. Que Dieu te bénisse. Et certainement, mon frère Jean-Paul est en train de prier avec vous, je crois probablement. Qu'il soit béni. Que Dieu bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Maman Mado, à tout ça, je n'ai pas salué, n'est-ce pas? Il y a ma sœur Karine de Cameroun. Oh là là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Alléluia, sois béni, n'est-ce pas? Alléluia, que Dieu bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Maman Bilé, que Dieu bénisse. Alléluia, sois béni, la maman de notre frère Grâce. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà, maman Victoriana, comme je l'ai déjà dit. Maman Bébête, que Dieu bénisse, n'est-ce pas? Maman Maria et tout le monde, sois béni, n'est-ce pas? Alléluia, maman Alpha, maman Espérance, maman Espérance, maman Blandine, maman Irène. Oh, tout le monde, oh là là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y en a, bien-aimés, qui sont en train de prier, mais qui ne se sont pas manifestés. C'est pas grave. Le plus important, c'est que Dieu vous voit. C'est ce qui est le plus important. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, mon frère Jean-Paul. Sois béni. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, une très bonne soirée. Que le Seigneur nous fortifie. Nous continuons encore à prier, n'est-ce pas, sous les pensées, n'est-ce pas, bien-aimés. C'est ce qui a été à la base, n'est-ce pas, de la destruction d'Adam et Ève. Les doutes ont été injectés dans leurs pensées. Et la catastrophe est arrivée. Nous comptons encore après contre les forteresses où on croit que certaines choses, c'est pas parce qu'on ne le fait pas, mais parce qu'on a érigé, n'est-ce pas, une pensée qui vous empêche d'aller au-delà. Soyez bénis. À très bientôt, merci. Je vous aime. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, notre Dieu, fasse-le sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. J'ai ainsi prié. Soyez bénis. Amen. À bientôt.